Previously on Ladies Night. Sérieux, c'est quoi cette question? Il y a des abs. T'as un truc entre les jambes pour être manly. Moi, tant qu'à moi, les humains, c'est comme les chiens. Je sais pas qu'il est obligé de ressembler au tapis de ma salle de bain. Ah! T'es plus mon chum! After 2 days, maybe I will forget his face. If you want, we can be friends. More than that, like, I can't do anything. Désolée, je t'aime bien, mes en amis, mais je pense pas que toi et moi ça pourrait aller plus loin. Non! You know what? I'm really sorry. You invited me here, you served me wine, you're playing really good music. I have to go. I swear on my life, I'm sorry, but there's no point in us continuing because it's not working for me. I'm sorry, I don't want to hurt your feelings. I finished my part today. And now, the series finale. Non! Non, vraiment pas. Pour moi, il y a code d'honneur féminin, puis on touche pas aux ex. Non, vraiment pas. Je pourrais pas. C'est juste... ça se fait pas. C'est la meilleure amie ou la sœur, c'est... entre filles, on se fait pas ça, non. C'est un gros non-non. Il y a des choses qu'ils partagent juste pas. Ça en fait partie. Non. No, I wouldn't want to be, I guess, compared. Or I wouldn't want a weird, awkward friction between my sister and my best friend and I, or for my boyfriend to suddenly realize that I suck and he needs to go back to something he knew better before. Because that would really suck. So no, I probably wouldn't. Urk! Jamais de la vie. Non. Il y a des choses qui se font dans la vie, puis il y a ça, là. Non. Non, non. Je pense qu'il y aurait comme un conflit d'intérêts, là. si je peux me permettre de dire ça. Je pense que je trouverais ça un petit peu trop bizarre. Il y a quelque chose qui serait un peu malsain, selon moi. Fait que non, je crois pas que je pourrais. Ça dépend. Ça dépend. Alors, ma sœur, non, parce que j'en ai pas, fait que je peux pas te dire, je sais pas comment ça ferait. Ma meilleure amie, tu sais, les filles, on est toujours un petit peu bitch sneaky, on va te dire. Non, je ferai jamais ça, mais peut-être que je le ferai, ouais. T'as été... Ania. T'as été en déné, quoi, t'es, que bon. Quaisons, maintenant, mais c'est tout, c'est un gars, quoi, quoi, quoi. Que les goûts. Les gars, bon, là, ça, tout, d'adjoint, avec des nèmes, qui me disent, c'est manque, c'est là, on est les goûts. Que les gars, que Oui, je pourrais sortir avec, mais ça dépendrait de la situation. C'est sûr, j'en parlerai à ma sœur, à ma meilleure amie ou à mon ami, peu importe. Parce que tout simplement, des fois, un ex n'est pas un ex pour rien. Peut-être que c'est arrivé de quoi qui fait que je m'y attends. Ou tout simplement, la personne, elle va venir me voir faire. Et la personne, peut-être qu'elle veut juste me rendre jalouse, je veux que t'évites de te laisser ou tu sais, juste, je vais en parler avec la personne, c'est sûr, si j'ai un intérêt sur son ex. 自分の兄弟だったら嫌だけど、友達だったら、もしその関係がちゃんと終わってれば気にならない。だから大丈夫だと思う。 そんなに、どの宗教でも構わないけど、信仰深い人は嫌だ。自分が無宗教だから、
宗教は持っててもいいけど、うん、あんまり宗教のこと気にしない人の方がいい。Non, pas du tout. C'est... Non. J'ai pas de raison, non. Non, je pense pas. Tant que cette religion-là m'est pas imposée et en fait, tant qu'on n'essaie pas de me convertir, je pense pas qu'il y ait de raison que ça marche pas avec un homme qui est d'une différente religion. Je pense que quand l'amour est là, peu importe la religion, la couleur et tout ça, je pense pas que ça soit un problème. Non, tant que ça se fait dans le respect. Moi, je suis catholique. C'est sûr que si je sortirais avec quelqu'un qui voudrait me transformer de religion parce que c'est important, sûrement que je le prendrais pas parce que moi, je respecterais sa religion. Donc, je comprends pas pourquoi il respecterait pas ma religion. Non, c'est... Non, j'ai pas d'explication plus que ça, c'est juste que la religion n'a pas d'effet, je pense, sur la relation plus que ça. Religion does matter to me. There are some that try to push their religion on other people, and that scares me, scares the life out of me. I stay away from them, I don't want it rubbing off on me. Even though I'm convinced that I could not be convinced to believe in the same thing, but I wouldn't want to be... judged or made to feel like I'm not as good as they are simply because I don't believe in what they believe, and I wouldn't want to hear about it all the time. I mean, I don't push my views on people. I wouldn't want them pushed on me. And the cult, the way they, some religious people live is very, very different. They have their rituals. They don't swear or something, or they don't have sex on Sundays because of whatever reason, or you know, to me, it just limits. So I don't want any limits on my life. There's enough with work and everything else to limit. So. 저한테는 종교가 별로 저는 종교가 없기 때문에 별로 중요하지 않은데 만약에 상대방이 너무 독실한 뭐 크리스찬이거나 뭐 그러는 건 조금 걸리는. 근데 우선 저한테는 별로 중요하지 않아요. Oui, je suis une adepte de science. Et si mon amant est fanatique de moindre chose qui n'est pas relative à la science, il y a beaucoup de conversations qu'on ne pourra pas avoir. Puis même s'il était extrêmement réservé quant à sa propre religion et que même si vraiment il m'en parlait presque jamais, ça couperait vraiment dans les choses qu'on pourrait partager. Puis j'ai besoin d'avoir ça en commun avec mon amant. Oui, la religion, j'ai ça dans le cul bien profond. Pis si t'es pas capable de croire en toi pis que t'as besoin de croire à quelque chose d'autre, ben c'est ton affaire. Mais c'est pas vrai que je vais m'impliquer dans des fucking trucs religieux juste pour pouvoir au pire te marier ou pour pouvoir avoir une relation avec toi. T'es un humain, je suis un humain, on va sortir ensemble, point. Ben c'est sûr que si les salafistes, ça va importer là. Mais normalement non. Pas si c'est pas un fervent pratiquant, ça devrait pas embêter. Non, j'ai aucun problème avec les ethnies. Si c'est encore une question de religion, ça fait toujours dans le respect de la culture de l'autre, j'ai aucun problème. Moi, j'ai ma culture, j'ai ma religion, j'ai ma façon de vivre. Si la personne n'essaie pas de changer ça, alors j'ai aucun problème à connaître. Enfin, à connaître, effectivement, ses cultures, sa religion, son mode de vie. C'est la connaissance générale. Ça non plus, c'est ça. Il n'est pas basé vraiment sur sa religion et qu'il va me casser les couilles pour que je mette le voile intégral ou que j'aille prier... Je vais apprendre la Torah par cœur, pas de problème, mais non, c'est ça, l'ethnie n'a pas d'importance. そんなに重要じゃないけど、多分第一印象では私はアジア人に惹かれる傾向があると思う。 C'est sûr que selon les personnes, on a des préférences pour les ethnies, c'est sûr. Mais dans les faits, dans les actions, je dirais que si un gars vient me voir et s'il n'est pas forcément l'ethnie que je préfère,
je vais quand même considérer... l'ethnie n'est pas si importante que ça. Oui, autant que la religion, mais dans l'inverse. Plus il y a d'ethnie, mieux c'est. Oui, l'ethnie, ça compte. C'est toujours un plus. En théorie, oui, parce qu'il y a des ethnies qui m'attirent plus que d'autres. Mais en pratique, non. C'est plus la personnalité, les activités que je vais avoir avec la personne qui va déterminer si oui ou non on est compatible et si je t'aime ou non. Ethnicity, to me, matters somewhat. Because sometimes it goes along with the religion, it goes with the culture. In some cultures, for instance, women are just, we're nothing. And the men make the rules and they just push them around. I'm just not like that. I don't believe in that. I'm more, you know, respect me, I'll respect you. Don't treat me differently than you would want to be treated. So yes, it does matter to me. It depends where they're from. If they're from Canada, they've grown accustomed to the Canadian ways and they respect the women that they're with. They're not fanatics about, okay, now that I've got you in my life and I've treated you so well, now you're my wife, I'm gonna treat you like dirt. Non. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, alors l'ethnie ne fait pas le moine non plus. Alors, ça n'a pas d'importance. Ben moi, j'ai pas vraiment de préférence. Tant que c'est une personne qui m'attire, la couleur n'a aucune importance parce que on est juste tous des humains. En fait, je pense que la chose la plus romantique qu'on pourrait faire pour moi, ce serait probablement de m'écrire une chanson et de me la jouer à la guitare. Je pense que ça, ce serait vraiment la plus belle chose qu'on pourrait faire pour moi, en fait, côté romantisme. La chose la plus romantique qu'on pourrait me faire, c'est quelque chose de spontané. Je suis une personne très curieuse qui aime découvrir les choses, savoir c'est quoi qui se manigance. Mais si la personne réussit à me surprendre, je pense que c'est le coup le plus réussi. Quelque chose qui soit fait maison, genre qui m'achète pas quelque chose, qui me fasse quelque chose, qui me chante une chanson, qui m'ait fabriqué un album photo, n'importe quoi, que juste que ça vienne du cœur. Je suis pas une personne très romantique, étant donné l'environnement dans lequel on grandit. Je crois que le romantisme c'est quelque chose de perdu, mais je dirais que juste des attentions ponctuelles, des petites surprises, ça fait assez plaisir. C'est pas nécessairement d'arriver avec un gros bouquet de roses puis les chocolats puis je t'aime, mais me trouver un petit cadeau, une petite attention, un truc que j'ai aimé mais que j'ai pas voulu m'acheter par X raisons, mais que je retrouve sur ma table le soir quand je reviens. La chose la plus romantique que je peux penser, c'est la salle de bain pleine de chandelles, le bain rempli de lait avec des pétales de rose, pendant que je me fais masser les épaules ou autres, avec de la K-pop qui joue. Ah ouais. Dans 그렇게 막 너무 돈을 많이 쓰거나 막 너무 화려하거나 그런 게 물론 좋기도 하겠지만 의외의 것에 좀 감동을 많이 하는 것 같아. 이렇게 깜짝 놀래켜 주거나 기대하지 않았던 무언가를 뭐 선물한다거나 뭐 이런 식으로 전혀 화려하지 않지만 그래도 두 배의 감동이 있는 그런 거? 그런 게 좋아요. M'inviter à l'opéra. Jamais arrivé. La plus grande chose, la plus romantique qu'il pourrait faire, ce serait une grande chose, mais étalée sur une longue période de temps. Juste de me rappeler plusieurs fois dans le quotidien qu'il m'aime, qu'il pense à moi, c'est la plus belle chose du monde. I think the most romantic thing that a man could do for me is probably just to take the time to do something just very sweet that he would know would please me. Or just surprise me, like just remembering. I think just remembering something you've said probably like a year and a half ago, like, I don't know, I'll make something up. I don't know, I'd like to have a bubble bath, whatever, for Valentine's, which is not true. But, and he would remember this on Valentine's and actually do it. But something even more spontaneous than that. It doesn't have to be a special occasion. I prefer things out of the special occasion time
Like receiving flowers out of nowhere. You know, at work, you get to work and, oh my God, these flowers are, you know, where did these come from? You know, it's just out of the blue. Just something like that. Yeah, I think that would be nice. C'est pas turn off non plus. Je veux dire, les jambes t'as pas besoin, les bras t'as pas besoin, mais un gars qui s'entretient, j'apprécie. C'est quelqu'un qui se rase le torse, qui se rase les bras. Les bras c'est abusif, les jambes c'est abusif et le petit zouin-zouin aussi, là. Mais la barbe et le torse, y'a aucun problème. Attends, c'est vous, j'ai pas. Les cheveux, c'est plus que c'est long, c'est plus que c'est long. 他は別に剃っても、でも私より毛が薄いのも嫌だな。嫌かもしれない。でも毛深いのも嫌だ。C'est pas turn on, c'est juste, c'est très apprécié. Si nous on fait l'effort de le faire, enfin la plupart des femmes en tout cas le font, s'entretenir, s'épiler, prendre soin de sa peau, etc. C'est apprécié que le gars fasse la même chose. C'est pas quelque chose que je veux obligatoirement, mais s'il le fait, c'est toujours très apprécié. Faut qu'il garde des cheveux, je déteste être rasé, j'aime les cheveux. Le reste, ouais, ça va, il peut raser. 전혀 아니요. 저는 그냥 평범했으면 좋겠는데 좀 너무 많이 부담스러울 것 같고 같이 다니면 뭐 사람들 쳐다볼 것 같고 그냥 평범했으면 좋겠어요. 그건 제 타입이 아니에요. Non. Grand imberbe, c'est quelque chose. Mais quelqu'un qui se rase vraiment, là. Non. Laissez les filles faire ça, là. Vous n'avez pas besoin de le faire. Sérieux, plus il y a de poils, plus il y a d'hormones. Plus il y a d'hormones, plus il y a d'autres choses. Donc, le poil, c'est une preuve qu'il y a une continuité. Donc, du poil, c'est bien. Ça me tape sur l'énergie. Après, ça dépend, gamer. Ça dépend du nombre d'heures qui passent devant sa TV, là. Un petit Call of Duty de temps en temps, ça passe. Non, yada. Je suis un gamer qui aime, donc je suis pas un gamer qui aime, donc je suis pas un yada. Non, je suis gameuse moi-même. Donc, moi, ça m'irait parfaitement. C'est des soirées qu'on pourrait passer avec des manettes dans les mains. Sans problème, je jouerais avec lui aussi. Et avec lui, je parle bien des consoles. Mais avec lui, il n'y a pas de problème non plus. 저는 저 자체가 게임하는 거를 별로 안 좋아하고 좀 이해를 못하는 편이라서 전혀 만나고 싶지 않아요. Je pense pas que ça changerait grand-chose. Si c'est pas non plus un gamer qui passe son temps à jouer, oui, ça me gênerait pas. C'est même que j'aime regarder les gens jouer à jeux vidéo, donc ça me gênerait pas. J'ai déjà sorti avec un gamer et c'était assez plate. Je suis désolée. Je suis une personne qui bouge beaucoup, je le répète tout le temps, mais un gamer, il va juste vouloir rester assis, tranquille, jouer à ses jeux vidéo, même quand sa copine elle est là. Il va faire, il va sur l'ordi, va te coucher, va écouter un film, moi je vais jouer sur mes jeux vidéo, va faire à manger, fait comme chez vous, puis il va rester devant les jeux. Non, c'est rendu sur ma liste, non, ces genres de gars-là. What's a gamer? The guy that plays video games. Oh my god. Beep. I think that a man that plays video games at the age of 40 has a big problem. If it's occasional, it's understandable. If it's with children, on occasion, it's understandable. But when they spend from 5 o'clock at night until 5 in the morning, day after day after day, it gets on my nerves. It's time to grow up. And I don't want to be with a kid. That's just me. どんな男の人でもきっと会う人はいると思うので諦めないで会う人を探してください。Si vous n'avez pas les couilles de dire qu'est-ce que vous pensez, ben alors ça sert à rien de s'engager. Si vous avez les couilles, portez-les puis dites-le. Essayez d'être un peu plus mature. Je pense que la plupart des femmes n'aiment pas ça, les gars immatures. Donc essayez d'avoir des conversations intelligentes et vraiment éviter de parler du poids. Fighting! Lâchez pas! Vous allez trouver la femme qu'il vous faut, je suis sûre.
This summer, fear has a name. Guys, leave a lot of comments and subscribe to Friendly's World, please.